Bonjour et bienvenue, Nicolas Boivin, professeur au département des sciences comptables ici à l'UQTR, auteur et directeur d'un ouvrage collectif avec deux autres collègues aussi. Alors, cinq, cinq, volumes, cinq volumes sur le titre de la collection « Collection Fiscalité expliquée » uniquement sur plateforme web. Exactement. C'est tout un affaire, ça Merci, Patricia. Donc, euh, effectivement, parce qu'il existe sur le marché des volumes qui ouais. traitent de, de fiscalité, euh, mais ce sont des volumes écrits. Et il faut savoir que par définition, des volumes de fiscalité, là, pour aider ouais. les étudiants à passer à travers des cours de fiscalité, c'est des volumes qu'ils veulent, qu'ils doivent résumer. Les règles fiscales. Donc, c'est très abstrait, c'est très difficile à, à expliquer. Donc, pourquoi on a appelé l'a la collection Fiscalité expliquée? C'est justement parce qu'on prend une approche très imagée, donc avec des lignes de temps, avec beaucoup de visuels, des ensembles, sous-ensembles, des zooms, des renvois, donc beaucoup de couleurs très explosées qui, je crois, à l'œil, euh, permet peut-être attire plus l'attention puis permet peut-être une meilleure rétention pour les étudiants là, hum. des règles fiscales qu'ils sont en train d'apprendre. Mais ça s'adresse donc à des étudiants de niveau universitaire et collégial. Exact. À, donc j'imagine que cette forme-là d'apprentissage pour eux, ça doit être beaucoup plus stimulant que le livre traditionnel. C'est fait dans cette intention-là. C'est fait dans cette intention-là, ouais. là. effectivement. D'une part, de par le contenu, euh, si on regarde les autres volumes qui traitent de fiscalité, effectivement, c'est il n'y a pas beaucoup d'images. T'sais, on peut peu, on rephrase ou on paraphrase les, les règles de loi, donc ça, ça demeure très abstrait. Donc effectivement, de par l'approche très visuelle, très explicative, mm. je crois que ça se distingue, puis aussi par l'offre qui est une offre complètement numérique et gratuite. Donc peu importe où, on, où on se situe dans le Québec, qu'on soit au collège ou à l'université, en région ou en, au ouais. ou en ville, on a accès à ce matériel-là au bout d'un clic. Mais gratuit. Tout à fait, gratuitement. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas de maison d'édition. Est-ce qu'il y a une, une, une maison d'édition derrière non. tout ça? Non, ça, ça serait impossible avec ça une maison Ça serait impossible. Voilà, bon. Donc, c'est vous qui avez créé ce propre site-là? Oui, le site s'appelle fiscaliteuqtr.ca. C'est un principe de guichet unique. Donc, oui. une seule adresse à retenir, les étudiants... Euh, se rendent à cette adresse-là et ont accès à une multitude d'ouvrages. Donc là, on parle des, des volumes qui sont numériques, mais s'ajoute à ça bien d'autres choses une multiple capsules vidéo explicative. les cours que l'on donne à en classe. Allez, l'intérêt de cette collection-là. Non, je déborde. Là, je vous parle de, 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 de ce qu'on offre sur le site au complet. Oui. Mais je vais revenir à la collection pour oui, répondre à oui. vos questions. Mais entre autres, comme je vous disais, des capsules vidéo. Même nos cours que l'on donne en classe sont entièrement enregistrés. Donc les cours de trois heures, dès qu'ils sont, dès qu'on sort de la, de la classe. L'enregistrement est rendu disponible sur ce site-là. Donc vraiment, un apprenant qui, qui veut s'intéresser à la fiscalité ou un étudiant qui oui. est déjà inscrit à des cours de fiscalité à cet endroit-là va retrouver une multitude de matériel pédagogique entièrement numérique là, pour lui, dont les volumes effectivement là, dont on parle. Puis en même temps aussi, il y a toute la question aussi de l'empreinte écologique derrière ça. Le fait d'offrir ça, donc les étudiants n'ont pas imprimé ou quoi que ce soit, donc on sauve des arbres. Hein? On, 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 on permet on, on sauve du papier évidemment par la force des choses et ça c'était très présent en vous lorsque vous avez développé ce projet là ben tout le monde sait que lorsqu'on va vers le numérique on ouais. va avoir une on va avoir un impact au niveau hum. environnemental mais le défi c'est de le quantifier donc euh, une fois quantifié ça fait prendre ça fait une prise de conscience quand même assez importante là. je pense que nous, on estime environ à un million de pages les, qui, ne sont, qui ne sont pas imprimées à chaque année du fait que l'ensemble du matériel est, est offert en format numérique. Euh, environ, ça représente environ 81 arbres épargnés par année. Multiplier ça par le nombre d'années de carrière qu'il me reste, euh, on arrive à des résultats quand même assez intéressants. Puis, je vous dirais aussi, ouais. pour certains étudiants qui ont, je dirais pas une réticence, mais qui sont moins à l'aise avec le format numérique, ça leur permet aussi de prendre conscience d'eux-mêmes. De à euh, embarquer dans, dans cette façon de faire-là, eux aussi participent à cet impact-là positif. Oui, c'est ça. Il y en a cinq, euh, mais on va en parler de deux. Entre autres, il y a le tome 1 et le tome 2 sur conformité fiscale des particuliers des entreprises, tome 1, tome 2. Quelles sont les différences entre les deux? Il n'y a aucune différence, euh, un et la suite de l'autre. La conformité fiscale en soi, c'est un sujet. Euh, mm. Ce que ça revient à dire, c'est d'apprendre les règles fiscales qui, touchent, qui nous touchent, nous les contribuables. Donc, comment faire notre rapport d'impôt, qu'est-ce qu'on doit mettre comme type de revenu là-dedans, qu'est-ce qu'on ne met pas, qu'est-ce qui nous donne droit à des allègements, qu'est-ce qui nous donne droit à des crédits d'impôt. Toute cette mm. question-là de comment bien faire un rapport d'impôt, ça s'appelle la conformité fiscale. Et il y a neuf sujets. 900 ouais. pages à traiter. On a coupé la poire en deux pour en faire deux volumes parce que c'est traité dans deux cours distincts à l'université, dans un premier cours de 45 heures et dans un deuxième cours de 45 heures. Donc, chacun des cours utilise un des deux tomes, mais il faut, faut passer à travers les deux pour avoir la vue d'ensemble des règles de conformité fiscale. Alors, j'imagine qu'on réédite à chaque fois parce que les, les, les lois changent. et… Euh... Bien, bien sûr. Euh, que... C'est tout le contraire d'un professeur oui. d'histoire qui écrit sur l'histoire et qui, ben par non, définition, ne change non. pas. Donc, les règles fiscales, à chaque année d'imposition, à chaque nouveau dépôt de budget, d'annonce budgétaire, de, de documents gouvernemental, euh, c'est complètement à, à, à refaire à chaque année. Là, de, donc, d'aller vérifier point par point, est-ce que les règles fiscales qu'on enseigne sont encore à jour? Est-ce qu'il faut faire des modifications? Est-ce qu'il faut faire des ajustements? Est-ce qu'il faut en enlever? Est-ce qu'il faut en ajouter? Mais il faut vraiment repasser le tout pour être sûr à chaque début de session universitaire ou à chaque début d'année universitaire oui. euh, qu'on ait un, un volume qui soit à jour. Et, et vous êtes, comme on disait tout à l'heure en début d'entretien, on disait que vous étiez trois finalement dans cette équipe-là. Il y a Nicolas Lemelin et Marc Bachand. Exact. Alors, eux aussi euh, travaillent sur la question de la fiscalité. Donc, vous faites ça comment? Vous êtes en collégialité? Euh... Oui, bien, l'ensemble du déploiement pédagogique qui oui. est sur le web, fiscality. on en est trois auteurs. Euh, on travaille à sur différents projets à travers oui, ce déploiement-là. Oui. Donc, les deux volumes dont on parle en ce moment de conformité, c'est un peu mon bébé. C'est moi oui, qui ah, suis l'auteur oui. principal. Mais pour d'autres ouvrages, ce sont les professeurs et mes, et mes amis euh, Bachan et Lemelin qui sont les auteurs principaux. Euh, aussi, on entretient beaucoup les réseaux sociaux avec nos oui. étudiants donc au quotidien. Vous êtes très branchés, hein, finalement, dans, dans les deux sens du terme. Hein. Vous êtes très branchés. Vous avez compris que, finalement, passer par cette forme-là d'apprentissage... C'est d'aller rejoindre directement les jeunes dans ce qu'ils qu font, dans la façon dont, la façon dont ils vivent, c'est-à-dire avec les réseaux sociaux, avec toutes les, ces plateformes-là. Vous avez raison, mais si je peux témoigner de ça aujourd'hui, oui. c'est parce que je l'ai appris par essai-erreur. Euh, je ne peux pas prétendre, dix okay. ans, de savoir que m'en aller dans cette direction-là oui. donnerait tous ces résultats-là. Honnêtement, là, sans, sans trop de recherche, par essai-erreur ou par. Euh, on a osé le faire et aujourd'hui, on est très content du résultat. Mais une fois qu'on a mis le pied là-dedans, là, c'est-à-dire de, de quitter ouais. le monde des de, de imprimés de et s'en aller vers des ouvrages numériques, ouais. on ne peut plus changer de côté. On ne peut plus changer d'idée parce qu'à partir de maintenant, si je veux déployer un nou, du nouveau matériel pédagogique, ouais. je ne peux pas aller sur le papier. Il va falloir que ça s'attache au site, au pour, site que, oui, pour que le site demeure un guichet unique et encore une fois, qu'à une seule adresse, il y ait un déploiement complet accessible à partir de là. Bien, écoutez, je vous félicite. Je suis bouche-bée devant tant d'innovation et de technologie. Bravo. Vous avez été d'ailleurs primé. On vous a primé à quelques reprises pour votre enseignement, pour vos recherches et tout ça. Alors, bravo, félicitations. Puis on va vous suivre sur la plateforme web. Merci, Patricia. <laughs> Merci beaucoup.